intervention s'intitule « Pourquoi des soins palliatifs ?». J'ai voulu poser cette question comme on poserait la question « Pourquoi des arbres ? Pourquoi des routes ? Pourquoi des gens ?» dans la mesure où on pourrait penser que ces soins palliatifs qui existent depuis près de 40 ans en France pourraient se penser comme insuffisants alors qu'il s'agit évidemment de les renforcer. Le mouvement des soins palliatifs s'organise dans une critique radicale de la société de performance qui rejette la femme et l'homme vulnérable. Ce mouvement récuse l'héroïsme de l'homme devant la mort, la solitude virile, en réalité la misère de la personne exclue et qui devrait prendre sa décision. Les soins palliatifs procèdent sous cet aspect critique d'une utopie. Il existe des utopies qui commandent d'attendre que toutes les conditions soient réunies. De manière différente, l'utopie des soins palliatifs vient modifier au présent les conditions selon lesquelles s'imposerait une réalité. La réalité est la fiction que fabrique le procédé du sondage et toute pratique d'échantillon représentatif. La dite réalité convient à l'enregistrement de l'opinion. Or, obliger des gens à répondre à des questions qu'ils ne se sont pas posées, réunir dans une majorité d'opinions des affirmations qui peuvent venir de points de vue différents, divergents et contradictoires, suggérer qu'une demande existe depuis cette expression non analysée, faire de cette expression un mouvement social, est-ce sérieux ? Le mouvement des soins palliatifs n'est pas un mouvement social, il n'est pas si simple pour qu'on le réduise à un avis. On a compris que je ne prenais pas la notion de mouvement social au sens des tourainiens. Il s'agit de pratiques complexes, prises éventuellement en défaut non pas des valeurs, mais des principes qui les animent et qu'elles revendiquent. Pratiques imparfaites. L'euthanasie, avec comme premier stade le suicide assisté. Mais peut-on assister à un suicide ? Tient par contre d'une réalité toute en adéquation avec ses valeurs. Serait-ce son avantage ? Des entreprises de pompes funèbres guettent l'instant où il sera possible de mettre en place un nouveau produit. Répondre à la question « Comment voulez-vous être enterré ou crématisé ?» fait partie de leurs compétences. Celles-ci pourraient être augmentées par leur capacité à répondre à cette autre question « Comment voulez-vous mourir ?» C'est ce que me disait l'un des patrons des entreprises de pompes funèbres en Espagne que je rencontrais il y a quelques mois. Il m'expliquait qu'il y avait certainement de nouveaux produits à proposer à la clientèle. Parce qu'il s'agit de mourir, serait-on déjà du côté de la mort ? Et puisqu'elle ne vient pas encore, alors qu'elle ne devrait pas tarder, ne faudrait-il pas que je m'avance vers ma propre fin ? Telles sont les questions auxquelles les soins palliatifs apportent des possibilités de réponse en refusant non pas l'euthanasie, mais le monde social qui justifierait que cette évidence puisse être présentée comme un moindre mal et une manière de liberté au moment d'une contrainte insupportable. Vous voyez, on pourrait aujourd'hui se poser cette question : mourir, est-ce vraiment nécessaire ? Une nouvelle interrogation apparaît aujourd'hui, ne serait-ce pas aussi coûteux ? On peut non seulement penser que les soins palliatifs sont pratiqués en trop peu d'endroits, mais qu'ils relèvent d'un accès contingenté. D'une part, on peut se demander de quelle maladie il faut être atteint pour en bénéficier. D'autre part, l'idée est que l'accès à cette médecine luxueuse, perçue comme luxueuse, des derniers moments, n'est pas à la portée de toutes les origines sociales. Cette perception du grand public, comme l'on dit, n'est pas forcément fausse. Toute la question est là. Faudra-t-il se positionner sur des valeurs, l'acteur, la liberté, le choix ? Ou faudra-t-il que des gouvernements prennent les mesures nécessaires pour que les soins palliatifs soient réellement dispensés ? Plus que de la fin de vie, c'est peut-être davantage des formes et du sens de l'accompagnement qu'il faut discuter publiquement.
Ce faisant, au lieu de focaliser sur un problème et de réduire la prise de parole au seul choix d'une solution, ce qui devient possible, c'est de raconter des situations au travers desquelles chacun peut comprendre que l'ambiguïté, l'incertitude, la complexité marquent la vie quotidienne. L'incertitude ne s'entrevoit plus alors comme un défaut ou comme l'incapacité à détenir un avis précis, elle peut être reconnue comme une qualité de la vie ordinaire. En outre, l'enjeu d'une telle mise en récit est de faire porter le regard sur le malade sans doute, mais aussi sur les autres protagonistes des situations racontées. Le fait de raconter une situation permet aussi de faire place à la temporalité, à la durée. On diminue ainsi la pression de l'urgence et donc la fascination qu'elle provoque. On cesse aussi de réduire toute la question de la mort à l'imminence de la fin de vie. Mettre en récit des situations, c'est modifier autrement que par des arguments, des représentations. Au lieu d'une fin de vie comprise comme un dernier moment qu'il faudrait le plus possible éviter et qu'il faudrait donc provoquer au plus vite, la mise en récit des expériences et des situations permet de substituer une toute autre vision. À la seule question obsédante de ce qu'on deviendra au moment où la mort viendra, un partage peut s'établir sur les rôles que l'on tient auprès des grands malades et sur le sens d'une place à tenir auprès de ceux à qui l'on va survivre. Ce n'est pas seulement la signification donnée à la mort, mais le sens d'un rapport à la mort qui est en jeu. Je vous remercie.